Bonjour, je m'appelle Grégoire Couchoir, je suis cardiologue. Je vous propose à travers ces podcasts de vous partager mon univers professionnel et de vous faire découvrir une étonnante machine, votre cœur. À travers des conseils pratiques, des interviews de soignants ou des récits et témoignages poignants de héros du quotidien, ce podcast a pour but de vous toucher en plein cœur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite de nombreuses interrogations. Je vais parler du cholestérol. Pourquoi est-il si important pour la santé? Quel rôle joue-t-il dans notre organisme? L'épisode aujourd'hui a pour but de vous en faire comprendre les bases physiologiques pour que vous puissiez, dans d'autres épisodes, mieux appréhender comment et pourquoi il est important de le faire baisser. Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans ce voyage au centre de notre foie. Vous allez vite comprendre pourquoi, de notre cœur et, bien sûr, de nos artères. Mais avant de commencer, si vous ne voulez pas rater un épisode et en recevoir une notification, je vous invite à vous abonner à l'émission. Cela fera aussi grandir la communauté. Explosez le bouton « J'aime » sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément et récompensera également le travail que je fais. Le cholestérol. Ce mot, vous l'avez sûrement déjà entendu chez votre médecin, dans les publicités ou même à table entre amis. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment le cholestérol? Pourquoi est-ce si important pour notre santé? Et surtout, comment faire pour le garder sous contrôle sans devenir parano? C'est ce que l'on va explorer ensemble aujourd'hui. Commençons par une petite histoire. Imaginez, vous êtes dans votre cuisine en train de préparer un bon petit plat, et puis vous ajoutez un peu de beurre sur votre plat de viande, peut-être même quelques morceaux de fromage. Ça paraît délicieux, mais saviez-vous que ces ingrédients, en plus évidemment de donner du goût à vos plats, contiennent aussi du cholestérol? Alors là, vous vous dites... Ah, mais le cholestérol, c'est mauvais, non? Eh bien, pas si vite. Le cholestérol, c'est un peu comme un personnage de film. Il peut avoir un super côté sombre, mais il a aussi un côté très lumineux. Car en réalité, c'est une molécule qui est essentielle à notre corps. Et comme le dit le philosophe encore une fois, le problème, c'est que l'excès est mauvais en tout. Alors, comment appréhender cette molécule? Sur ce sujet, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dites et cela fait aussi prendre de mauvais comportements pour beaucoup de personnes. Mais je vais vous spoiler un peu l'épisode. Oui, l'excès de cholestérol est dangereux pour la santé, mais il faudra préciser quand même certaines choses qui font que ce sujet est un peu détourné de sa cause avec des termes qui sont assez souvent fourre-tout et qui sont véhiculés notamment par certaines personnes qui comprennent pas toujours très bien les tenants et les aboutissants du terme cholestérol. Deuxième spoiler alerte, le problème dans l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire trop de cholestérol, ça n'est pas tant la molécule de cholestérol, mais c'est plutôt la façon dont ce cholestérol est mal métabolisé, et là, ça ne devient plus un problème de lipides, puisque le cholestérol fait partie de la famille des lipides, mais plutôt un problème de protéines. Et vous allez mieux comprendre par la suite. Alors, au fond, le cholestérol, c'est quoi exactement? Et est-ce que c'est bien du cholestérol dont il faut avoir peur? Le cholestérol, c'est une substance grasse. Il s'intègre à la famille des lipides, qui sont un macronutriment essentiel à la santé, produit par le règne animal et qui joue un rôle clé dans notre organisme. Pour rappel, vous avez trois macronutriments qui sont un peu les unités qui constituent notre organisme en apportant de l'énergie, à savoir les glucides qui correspondent au sucre, on va faire simple, les protides qui correspondent aux acides aminés, donc aux protéines, et les lipides qui sont les graisses. Le cholestérol fait partie de la famille des lipides. On va le détailler par la suite. Historiquement, le cholestérol, il est découvert en 1758. Donc
c'est assez ancien quand même qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Il a été découvert par un chimiste français, François Pouletier de La Salle, sous forme solide dans les calculs biliaires. Ensuite, en 1814, on l'appelle cholestérine. Son nom provient du grec cholé, qui veut dire bile, et stéréos, qui veut dire solide. Ensuite, 1929, il va prendre le nom que l'on connaît aujourd'hui, à savoir cholestérol, en raison de sa structure chimique. Plus précisément, donc, le cholestérol, c'est un lipide, et il fait partie de la famille des stérols. Parmi les lipides, il existe les graisses, à savoir les triglycérides et les acides gras, que l'on va retrouver dans les huiles végétales, le beurre, les graisses animales, et ces graisses constituent une réelle réserve d'énergie, puisqu'elles peuvent être utilisées pour être stockées de l'énergie et rejoindre d'autres voies métaboliques pour le fonctionnement des cellules en leur apportant de l'énergie. Mais les graisses, elles servent aussi à protéger les organes ou à assurer une isolation thermique. Les graisses, elles sont également une source d'acides gras essentiels, comme les oméga 3 et les oméga 6. Mais pour le cholestérol, c'est un peu différent. Le cholestérol, c'est aussi un lipide, mais contrairement aux graisses, il n'est pas une réserve d'énergie. C'est plutôt un lipide de structure qui est indispensable pour construire les membranes de nos cellules, un peu comme une sorte de ciment qui maintiendrait tout en place, tout en assurant une certaine fluidité au niveau de la membrane. Le cholestérol, il joue un rôle central dans de nombreux processus biochimiques. Il est notamment un précurseur pour les hormones stéroïdiennes comme la testostérone, les œstrogènes ou le cortisol. Autrement dit, sans cholestérol, pas de testostérone, pas d'œstrogène. Enfin, le cholestérol va servir de précurseur de la vitamine D, cette vitamine qui nous donne le moral quand le soleil réchauffe notre peau. Ou bien encore, le cholestérol est un constituant essentiel des sels biliaires pour la digestion. Vous avez vu, le cholestérol, il ne faut pas le diaboliser, on en a réellement besoin. Il est un constituant essentiel pour le fonctionnement normal de notre corps humain. Comme je vous disais, le cholestérol, il fait partie de la famille des stérols. Dans la famille des stérols, il y a le cholestérol et les phytostérols. Le cholestérol, il se retrouve dans le règne animal et les phytostérols se retrouvent dans le règne végétal. C'est-à-dire que les phytostérols, ce sont les lipides de structure des plantes. Et d'ailleurs, on verra dans un autre épisode pourquoi les phytostérols peuvent aussi être intéressants pour contrôler les taux de cholestérol dans le corps humain. Bon, j'espère ne pas vous avoir perdu, mais si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez compris que le cholestérol, il ne faut pas le diaboliser. C'est véritablement un élément essentiel au fonctionnement de nos cellules. Mais alors, pourquoi autant d'encre coule concernant le cholestérol ? C'est vrai qu'on entend beaucoup de mauvaises choses sur le fait que non, le cholestérol, il ne doit pas être abaissé, que ça n'aurait jamais été associé à moins de maladies cardiovasculaires de le faire baisser. Eh bien, mon avis, c'est que ces personnes probablement mettent en danger beaucoup de malades et qu'il faut vraiment essayer de comprendre ce que veut dire le terme hypercholestérolémie et pourquoi c'est associé de manière difficilement discutable aux maladies cardiovasculaires. Oui, l'hypercholestérolémie, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. En réalité, peut-être que beaucoup de personnes considèrent que le cholestérol n'est pas un problème, car objectivement, le cholestérol, quand il est pris isolément, c'est vrai que ce n'est pas un problème. Par contre, son métabolisme peut l'être, c'est-à-dire la façon dont le cholestérol est bien ou mal utilisé dans le corps humain, surtout quand le corps n'arrive pas à se débarrasser de ses excès. Et quand il s'agit de métabolisme, généralement, cela fait appel à des protéines. Vous avez d'ailleurs certainement déjà dû entendre parler de bon et de mauvais cholestérol. Du coup, ça peut créer un doute. On a l'impression qu'il y aurait un cholestérol qui serait bien et un cholestérol qu'il ne faudrait pas avoir.
En réalité, il ne s'agit pas de cholestérol dans cette situation, mais d'un ensemble de protéines qui vont transporter le cholestérol. Il ne s'agit pas de dire si le cholestérol est bon ou mauvais, puisqu'il a son utilité. Par contre, quand on dit « bon cholestérol », on fait référence au HDL cholestérol, c'est-à-dire un type de transporteur du cholestérol qui s'appelle une lipoprotéine. On détaillera ça dans un autre épisode. Alors que le LDL cholestérol, lui, correspondrait au mauvais cholestérol. Donc HDL cholestérol et LDL cholestérol font partie de la famille des lipoprotéines, c'est-à-dire des protéines qui vont transporter des lipides. Car, vous l'avez déjà remarqué, l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Eh bien, c'est pareil dans le corps humain. Les lipides ne vont pas se mélanger avec le sang. Il va donc falloir les transporter dans des petites billes qui, entourées de protéines, vont contenir ces lipides, à savoir le cholestérol. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode sur le cholestérol. Finalement, dans les problèmes liés à l'hypercholestérolémie, il s'agit davantage de problèmes de métabolisme de ces protéines qui sont responsables des maladies cardiovasculaires. Je vous parlerai donc dans 15 jours des lipoprotéines, ces protéines qui sont associées au métabolisme du cholestérol, et vous allez voir, c'est passionnant. Je suis même certain que vous ne verrez pas les problèmes d'hypercholestérolémie de la même façon, surtout quand il s'agit de le traiter, soit parce que l'hypercholestérolémie est reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire une situation de santé qui est associée au risque de développer par exemple un infarctus du myocarde, un accident cardiovasculaire type AVC, un arrêt cardiaque, etc. Ou bien suite à un accident cardiovasculaire, et dans ce cas-là, le cholestérol devrait être abaissé et ça deviendra une cible de traitement. Il faudra également une autre émission pour vous expliquer comment est synthétisé le cholestérol, car oui, la majeure partie du cholestérol est fabriquée par notre corps au niveau du foie et non par les apports extérieurs que sont l'alimentation, et ça aussi, c'est important de le rappeler, au niveau de la production de cholestérol, on est à peu près à 4/5 produit par le foie et 1/5 par l'alimentation. Et tout ça, ça aura des conséquences importantes pour les traitements, on verra ça plus tard. Enfin, je vous expliquerai dans une dernière émission comment le corps médical a été amené à penser que l'hypercholestérolémie était un facteur de risque cardiovasculaire. On fera pour cela un peu d'histoire et nous verrons tout cela dans plusieurs épisodes de façon à rendre tout cela le plus digeste possible. C'est une saga assez complète sur la thématique du cholestérol, sans oublier évidemment les traitements, dont les statines, qui font couler également beaucoup d'encre, et les anti-PCSK9, donc je vous proposerai de parler tout ça prochainement. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté en plein cœur. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn ou YouTube. Et si vous avez aimé l'émission, likez, partagez cet épisode autour de vous. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, car c'est vous qui faites battre le cœur de ce podcast. Rappelez-vous, si les sujets sur le cholestérol vous intéressent, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour continuer cette aventure ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de votre cœur.